Bonjour à tous. Mardi dernier, c'était la soirée de séance du conseil municipal. Comme d'habitude, le conseil avait plusieurs sujets à l'ordre du jour et certains d'entre eux ont retenu mon attention de façon plus particulière et je voulais vous en parler aujourd'hui. Donc, premier projet d'importance, celui de la réfection du réseau d'aqueducs et d'égouts dans le secteur de Cap-aux-Mains. C'est un réseau qui est vieillissant, qui nécessite des investissements importants et la municipalité souhaite donc réaliser ses travaux. Pour ce faire, nous avons interpellé le ministère des Transports, qui lui est propriétaire de la route au-dessus de nos réseaux d'aqueducs et d'égouts, donc pour repenser l'axe routier du centre-ville de Cap-aux-Mains. Donc, depuis quelques années, on chemine avec le ministère. On a créé un comité de citoyens, on a pris des propositions, entendu la vision des différents commerçants. Et là, on veut franchir une étape supplémentaire, celle de la réalisation de plans de vie préliminaires. C'est une étape préalable avant de lancer des appels d'offres de conception. Et à ce moment-ci, il y aura d'autres consultations avec les différents usagers, avec les différentes entreprises du secteur, afin qu'on puisse ensemble imaginer en fait le futur centre-ville, comment on veut réaménager cet axe routier-là. Autre dossier super important qui a été présenté hier soir, celui de la bibliothèque Jean Lapierre, donc qui est située à la Maison de la Culture de Avromaison. Un projet d'envergure qui est dans les cartons municipaux depuis pas loin d'une décennie. Donc, on a tenté d'imaginer un lieu qui allait rassembler les Madelinos. Et depuis 2016, force est d'admettre qu'on a trouvé ce lieu-là avec la bibliothèque Jean Lapierre qui est située à la Maison de la Culture. Donc, ce qu'on veut, agrandir ce bâtiment-là, moderniser les équipements, donner des espaces plus éclairés, plus vivants, plus accessibles. Donc, en nous permettant d'avoir un lieu d'exposition pour les artistes en résidence, les artistes locaux, avoir un lieu également pour être en mesure de recevoir des conférenciers, des conteurs, tenir des activités pour la petite enfance, pour la jeunesse, comme c'est le cas actuellement, mais dans des locaux beaucoup plus modernes. Également, il y a des investissements prévus au point de service de Havre-Aubert et le point de service du côté de Grande Entrée. C'est un projet d'envergure sur le plan financier, on parle de 10 millions, mais on souhaite, via non-négociation, aller chercher 80% de financement, tout en revendiquant évidemment les surcoûts liés à l'insularité des îles. Donc, au cours des prochains mois, on vous donnera plus de détails et évidemment autant sur l'aspect financier que l'aspect du concept retenu. Dernier projet également qui est annoncé hier soir, un investissement de 2,1 millions de dollars pour créer ce qu'on appelle des pôles villageois. La vision du conseil municipal, c'est que chacune des communautés des îles puisse avoir un lieu de convergence, un lieu de rencontre intergénérationnelle qui s'adresse à toute la famille au sens large dans chacune des communautés. Et c'est ce qu'on va faire avec cet investissement-là. Donc, il y aura des espaces aménagés du côté du centre multifonctionnel de l'île du Havre-Aubert, du côté de la côte à l'étang du Nord, à Cap-aux-Mains, à Fatima, à Avromaison et à Grande Entrée. On souhaite débuter certains travaux à partir de l'été 2022 et le tout sera complété à l'été 2023. Donc voilà les sujets qui ont été présentés à la séance de mardi dernier.